Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 17, Lovia. Le premier ange gardien du cœur des trônes de Saturne, il porte le même nom que son frère, l'ange chérubin numéro 11, Lovia. Lovia trône exprime puissamment l'énergie uranienne dans le cadre cristallisé que Saturne forme. Cet ange gardien placera la personne dans un cadre d'activité d'élévation maximale, dans un sens plus spirituel que conventionnel. En tout cas, la personne aura la possibilité de vivre dans un état d'exaltation permanente, de joie de vivre permanente. C'est l'homme qui possède le savoir. La personne pourra-t-elle exprimer ce savoir? Pour ce faire, il faudra activer, en lui adressant sa prière, en l'invoquant, le chérubin Lovia numéro 11. Sans ce chérubin, le savoir de la personne ne s'extériorisera pas et, renfermé dans son intérieur, il finira par se décomposer. Il faudra prier les deux Lovia. Prière à l'ange Lovia. Lovia, permets, ange Lovia, que le contenu de mon inconscient s'intègre harmonieusement à mes pensées. Fais que les situations sombres de mon passé deviennent claires afin qu'aucun tourment ancien ne vienne assombrir mon action présente. Place ange Lovia, ta lumière dans les ténèbres de mes émotions, afin que je puisse transformer en œuvre positive le sombre conglomérat du passé. Inspire-moi, ange Lovia, pour que tous ceux qui se sentent en affinité avec moi trouvent dans mon œuvre le fil d'Ariane qui leur permettra de sortir du labyrinthe des émotions. Fais de moi un pont entre la pensée et le désir afin de les unir et ainsi réussir la grande œuvre du monde. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.